C'est une redécouverte à laquelle nous invite Alain Caprice. Un retour sur 20 ans de peinture, l'occasion peut-être de savoir si le peintre qui a commencé en 1996 est resté le même. Ce n'est pas à moi de répondre. Pourquoi ? Parce que ce que je propose cette année, ça s'appelle rétrospective. Okay ? C'est-à-dire que j'essaie de vous de rentrer en relation avec le public pour leur dire voilà mon parcours, ce qu'il a été. Depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'optique dans laquelle ça se passe. Alors, à vous de juger. Mais vous verrez d'emblée que l'artiste est toujours sans concession. Alain Caprice, comme à son habitude, peint, dit les choses telles qu'elles sont. Il parle de politique, de droits de l'homme, ainsi que ceux de la nature. Caprice serait-il un peintre engagé ? Artiste engagé. Le terme-là même, ça n'a pas qu'à interpeller. Un gars explique pourquoi. Chaque fois, on fait une action, qui c'est une action positive, qui c'est une action négative, okay? Il y a donc une prise de position. Il a choisi ça, il voulait, ça, il ne voulait pas. Si engagé, c'est défendre de nobles causes, alors oui, Alain Caprice est engagé. En tout cas, quand il a dit, il papait prend position. Contel a donc tableau écrié Pachamama. On travaille qui a dénoncé la déforestation et les mauvais côtés à ça y crier les nouvelles technologies. C'est montrer moi ici, montrer moi qui gens informatique, internet, toutes ces butées à ça, peut à la fois très bénéfique pour nous, mais qui peut aussi très négatif et très dangereux pour nous-mêmes. Donc, à un moment là, ça a présenté une image. Image là, au départ, on a regardé, on a dit, bon, quand c'est le TV fait là. Et puis là, on a fouillé, on a vu tout un système électronique, il y avait l'autre bitin qui est dedans, etc. Et puis, on a filé sang qui a coulé. Ti filé sang là, ça veut dire que tout bit n'est pas clair. Faut nous veiller actif quand même. Après 20 ans de peinture, Alain Papen Namaï, il a toujours été un artiste. Alors, pour moi, un artiste, c'est un monde qui a une chance, je vais dire ça, une chance, des vraies réalités à un pays, ok? On a d'autres gens qui, majorité de monde qui a vrai, fournir un monde qui a bas en direction. Si petit, c'est réussi à bas en direction là, en tant que outil, nous adorons. Et à un moment là, ça nous peut parler bâtiment, nous babadons, nous bafons toute famille. Nous. Et puis discussion, nous peut discuter, là peut monter au niveau son, il peut monter. Seulement au niveau sentiment, non, c'est un tiers, nous, certain ça. Alain Caprice, qui a invité tout le monde, vint voir travailler La Pointe, en disant Centre Culturel Rémini Souta, il a jusqu'au 10 novembre. Il y a une chose que je voulais dire. D'abord, je suis né en Martinique. Seulement, je vis en Guadeloupe depuis 1965. J'ai commencé à dessiner très jeune. Ça a commencé par le dessin. Du dessin, je suis passé à la photo. Parce que mon père était photographe, donc il était presque un petit peu normal que je fasse un petit peu de photos. De la photo, je suis arrivé à l'Angle de Chine en faisant de plus grands dessins. Coco Wanekowai était un ami de mon père. Il avait un atelier à Lens-Madame en Martinique. Et de temps en temps, il me permettait de venir lui rendre visite. Et puis, il me montrait des petites choses.
Alors, l'histoire des pains au chocolat, ben, ça remonte à mon année de terminale. Non, non, même avant la terminale, puisqu'on a commencé cette histoire-là. Alexandre Cadet-Petit, Procolab, peintre, artiste mardiniquais, et moi-même, nous avons commencé ça, je pense, nous étions en cinquième. Et on a gardé ce processus pendant un certain nombre d'années, jusqu'à la terminale pratiquement. Alors, le problème était le suivant, nous étions deux à savoir dessiner de manière instinctive. Nous n'avons pas appris à dessiner et les autres élèves l'avaient remarqué. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris la décision, Alexandre et moi, tous les débuts d'année, de proposer aux autres élèves qui ne savaient pas dessiner du tout, de leur faire leur œuvre. En contrepartie, ils nous paieraient un pain au chocolat. De sorte que tous les ans, nous avions notre stock de pain au chocolat, bien sûr, sur la distance. Et puis voilà. En fait, je n'ai pas appris à dessiner. Je crois qu'il y a, des individus à travers le monde qui naissent avec, avec un petit quelque chose. Moi, c'est avec les doigts. Les doigts, le trait, etc. Bon, avant de parler d'esthétique, hein, il y a une chose que je voudrais dire tout de suite, ok, pour que la polémique ne s'installe pas et puis que tout soit dit de manière très claire. Okay? J'ai été pendant 25 ans fonctionnaire de police. J'étais dans la rue pendant 25 ans. Je suis parti à la retraite en 1999. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis pleinement à peindre, à faire des objets d'esthétique, à écrire énormément, à faire de la photo, etc. etc. Tout ça pour vous dire quoi? Que tout ça m'a manqué pendant 25 ans. Alors bien sûr, j'ai fait quelques petites excursions pendant ces 25 ans dans l'art, ne serait-ce qu'en photographie par exemple. J'ai eu l'occasion, parce qu'à l'époque ça se faisait, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'expos photos en solo, aussi avec des amis. Donc nous étions une bande de jeunes qui aimions la photo et qui avions la possibilité de nous exprimer par ce biais-là. C'est une chose qui ne se fait pratiquement plus. Avant de commencer à peindre, il m'est arrivé une chose. J'ai beaucoup fréquenté, à une époque de ma vie, un monsieur à qui je tire mon chapeau, qui s'appelle Lucien Léoga. À l'époque, j'ai vu une toile de Lucien, je ne sais plus dans quelles conditions. Et puis, je suis allé discuter avec lui et il m'a invité à venir chez lui voir comment il travaillait, dans quelles conditions, ce qu'il faisait exactement, etc., etc., etc. Donc je lui ai acheté une œuvre et nous sommes restés en contact. Donc je peux dire quelque part que c'est grâce à Lucien, okay, qui m'a donné le petit coup de boost pour pouvoir arriver à la peinture. Merci Lucien. Quand je peins, il y a d'abord un bouillonnement émotionnel qui se passe. Je sais déjà où je vais. Mais il faut que je précise quelque chose. Premièrement, je ne peins pas à la demande. Deuxièmement, je ne peins pas œuvre par œuvre. Bien avant l'exécution des toiles, je dis bien des toiles, c'est-à-dire que dans ma tête, j'ai déjà imaginé le résultat. Il y a tout un processus qui est le suivant. Je fais de la recherche, je choisis un thème clair et précis. Donc, ce qui fait que je sais que j'aurai un minimum de 33 à faire. Et ce thème, je le travaille. Je le travaille intellectuellement. Puis je crois aussi que du sommet de mon crâne, par un petit quelque chose qui monte vers le ciel, je ne sais pas où il va. Et puis le flux redescend. Et à ce moment-là, je sais que je suis sur la bonne voie. Je crois que je peins à une vitesse relativement faramineuse. Une fois, j'ai compté, il m'est arrivé de faire 8 toiles dans une même journée. Il faut dire bien sûr que je travaille à l'acrylique. L'acrylique, c'est une matière qui sèche très vite. Donc il y a toujours énormément d'émotions dans mon travail. Quand on regarde mes œuvres, bon, dans la mesure où les gens qui les regardent sont des connaisseurs, je crois qu'ils vont trouver le trait à la manière de Bernard Buffet. Le trait à la manière d'Albert Dürer, le même trait que celui de Coco René Corail, le même trait chez l'âme. Donc je suis vraiment obnubilé par le trait.
Alors ça peut être des traits anguleux, ça peut être des traits courbes, mais il y aura toujours une petite touche de trait dans ce que je fais. Et puis ensuite viennent des adjuvants de couleurs, de matières, etc., etc. Par contre, pour le reste, je laisse libre cours à mon imagination, ce qui fait que quand on regarde une série d'œuvres de Caprice, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le même individu qui a fait tout ça de trucs différents? Là, vraiment, je m'éclate pleinement. Au-delà de la peinture, il m'arrive aussi d'utiliser de la matière. Ce qui fait que, bon, éventuellement, on peut me classer comme plasticien. Quand je parle de matière, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du sable, ça peut être du carton. Donc, je suis prêt à utiliser n'importe quoi, dans la mesure, bien sûr, où ça me mène à l'esthétique du travail intellectuel que j'avais fait en avant. Donc, ouais, plasticien, pourquoi pas. Ma peinture est presque systématiquement engagée. C'est-à-dire que les émotions que je retransmets sur des toiles sont des émotions qui me sont venues de fait de la vie. Ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire à partir d'événements précis, bon, qui peuvent être des événements joyeux, comme des événements dramatiques, comme des événements de peine, arriver à transcender toutes ces humeurs, disons, avec de la peinture sur une toile, pour arriver au résultat suivant, que la personne qui regarde, le spectateur, ait à la fois l'impression de beau et au-delà de ce beau, l'impression de quelque chose de plus grave qui se cache derrière ces couleurs. Je tiens à ce que ma peinture soit une peinture bien de Guadeloupe. Il existe, ça j'en suis persuadé, il existe un art précis, un art clair, un art caribéen. Il y a un certain nombre de grands hommes dont on peut parler de la Caraïbe. On va commencer par Wilfredo Lam, peintre cubain. On peut passer chez Coco René Corail, peintre martiniquais. On peut aller faire un tour chez Rovelas, peintre guadeloupéen. On peut aller, et puis chemin faisant, on découvre un tas de gens particulièrement performants qui font de super belles choses. Et quand on regarde toutes ces œuvres, on sait que l'on est dans la Caraïbe. Nous sommes nous. Et il faut, tôt ou tard, que notre esthétique émerge. Je crois que nous sommes vraiment, actuellement, nous sommes le nouveau souffle. Quand je dis nous, la Caraïbe, nous sommes le nouveau souffle esthétique du monde. Et les seuls qui ne s'en rendent peut-être pas pleinement compte, c'est encore nous-mêmes. Nous avons tout chez nous pour pouvoir créer sérieusement. On n'a pas besoin d'aller chercher autre part nos inspirations. Elles sont là autour de nous. La vie même, notre vie même sur place, elle est là. Et est source d'inspiration pour nos artistes. Alors permettez que je ne comprenne pas pourquoi, surtout ceux de la nouvelle génération, cherchent, peut-être que c'est pour des raisons pécuniaires, cherchent à imiter qui Basquiat, qui Picasso, qui n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes le nouveau souffle esthétique du monde, nous dans cette petite Caraïbe. Tout en étant persuadé que nous sommes presque le nombril esthétique du monde, je crois aussi qu'il est certainement très difficile pour les artistes, particulièrement les artistes guadeloupéens, de s'exporter. Très récemment, pas plus tard que ce matin, sur Internet, j'ai vu un article de Richard Victor Saint-Cylie qui, quelque part, lançait quelques pistes pour que l'on puisse faire en sorte que cet art puisse s'exporter et ramener des devises. Je ne vais pas vous dire que je sais comment faire. Je ne sais pas comment faire. Okay? Dans ma partie, je crée, je peins, et puis ça s'arrête là. Je ne cherche pas à exporter mon art. Je dis la chose suivante.
Je vis en Guadeloupe. Je suis un peintre en Guadeloupe. Qui veut savoir ce que je fais n'a qu'à venir chez moi voir ce qui s'y passe. Si des gens veulent acheter mes toiles, je veux qu'ils viennent chez moi savoir de quoi on parle. Je ne crée pas pour les Occidentaux. Je crée d'abord pour ma population. Et mon plus grand souhait, et ça j'ai l'habitude de le dire, c'est que tout Guadeloupéen puisse faire l'acquisition d'une œuvre d'art de ses propres artistes et pour pouvoir les exposer chez lui. Je laisse le choix à l'acheteur de me payer en 4, 5, 6, 7 fois, mais dans la mesure où je sens que cet individu a quelque chose de particulier avec l'œuvre. Après ma génération, il y en a une qui est dans les, disons les 40-50 ans, bon, qui a commencé à prendre la relève. Et puis, il y a une flopée de petits jeunes de 30 ans et moins qui sont performants, qui sont en Guadeloupe, qui créent en Guadeloupe, qui ont beaucoup de difficultés à montrer et à exprimer ce qu'ils font. J'aimerais dire que le meilleur moyen pour que ces jeunes se reconnaissent à travers leur pays, à travers ce qui se passe dans leur pays, ceux qui ont déjà réussi à ouvrir les portes, s'il vous plaît, essayons de garder ces portes ouvertes derrière nous pour que les jeunes puissent rentrer par cette porte et pouvoir créer de manière claire comme nous l'avons fait. Et à ce moment-là, vous allez voir l'explosion d'artistes qu'il y aura dans ce pays. Ça peut être très difficile, c'est vrai. Seulement, rien n'est moins vrai que c'est faisable. Et je crois que si on en arrive actuellement à tout cet état de violence du pays, c'est que nous ne savons pas accompagner nos enfants. Et puis cette triste nouvelle, le décès du plasticien et poète Alain Caprice ce jeudi. Policier réputé, il était aussi très reconnu dans le milieu artistique. On se souvient de sa moustache imposante. L'artiste plasticien Alain Caprice est décédé ce jeudi. Il avait mené de front sa carrière de fonctionnaire de police réputé, tout en maniant très tôt l'expression artistique à travers la peinture, la photographie et la poésie. Lise Dolmar. Lorsque la toile, les couleurs, les formes incarnent les visages de celui qui les crée. Au fil du temps, Alain Caprice a pris l'allure d'un aigle qui survole les montagnes de son temps. Il a su écrire en peignant ses réflexions sur l'univers créole et caribéen, avec cette fascination pour Haïti et son art dit naïf. Alain Caprice était aussi le flic, Fly, inspecteur principal, une vingtaine d'années dans les forces de l'ordre, remarqué pour sa capacité à s'imposer sur tout le terrain, comme dans celui de l'art, l'art de dénoncer. Il y a la partie artistique, okay, artistique, esthétique, et puis il y a le rapport aux autres, le rapport aux autres humains. Né en 1944 à Fort-de-France, Alain Caprice était un boulimique de l'art, la poésie, la photo, mais aussi cette féroce envie de capter le vivant. Antoine Nabajotte l'a bien connu. Il nous raconte avec beaucoup d'émotion les derniers moments de complicité entre artistes. À l'époque de Maulana, on m'avait sollicité pour réaliser une peinture murale. Et effectivement, je me suis présenté. Et il était dans cet espace-là. Effectivement, lorsque je l'ai vu, j'ai constaté qu'il était un peu malade. Mais malgré tout, il a peint. Il a peint et avec des difficultés, mais on l'a accompagné, les infirmières qui étaient là, on l'a accompagné moi-même. Et ça m'a beaucoup touché. Peindre jusqu'à la fin, le cri de toute une existence, les pulsations d'un cœur d'artiste endurci qui a, toute sa vie durant, refusé de se taire. C'était par rapport à la situation du pays. Et dans son travail, il y avait beaucoup de... C'était très spontané. Mais c'est quelqu'un qui voulait dire beaucoup de choses par l'art. Mais peut-être
parfois, il y avait peut-être trop de choses sur la même toile, en fin de compte. Mais malgré tout, il faisait de son mieux, hein. Il était sincère. Et ils sont nombreux à rendre hommage ce soir à Alain Caprice. Pour Harry Chalus, le président de région, Alain Caprice avait cette volonté de partage. Il aimait ainsi donner des clés de lecture pour permettre aux visiteurs d'entrer dans son univers. Fin de citation. Alain Caprice tire sa révérence à l'âge de 75 ans.